Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode Corona Bonus. Corona parce que en ce moment c'est le confinement du coronavirus. Du coup, je télétravaille donc j'ai beaucoup moins de déplacements. Donc j'ai l'impression de gagner beaucoup plus de temps et d'avoir du coup plus de temps pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que ce soir je fais une petite vidéo supplémentaire. D'habitude, je fais que une vidéo d'attaque tournoi. Bah là, je vais en faire une deuxième, et je vais aussi tout de suite là revenir un petit peu sur deux trois trucs que j'ai dit dans des épisodes précédents concernant Kvasir. Donc Kvasir, qui est vraiment un excellent héros. Ça, je reviens pas dessus. Par contre, j'avais mal compris sa CS. C'est bien, en fait, il empêche les ennemis d'avoir des nouveaux sbires. Et par contre, lui, il donne des sbires à l'infini. Donc ouais, c'est vraiment badass, hein. Franchement, un héros qui est rapide, qui donne des sbires à tous les alliés en rapide, c'est ouf, hein. C'est vraiment. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à l'utiliser en tournoi raid. Je sais plus ses stats exactement quand il est max, mais je pense pas que ça puisse être un tank, plutôt un flank ou un arrière. En arrière, je trouve pas ça ouf. Par contre, en flank, ça peut être intéressant. Pourquoi pas dans certaines défenses. Mais là, moi, surtout, c'est en attaque que je vois son utilité. Surtout qu'apparemment, son poison fait quand même pas mal de dégâts. Hein. 12% de dégâts de poison. Donc voilà. Donc c'est juste pour revenir là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai dit pas mal de merde. Aussi, Telluria, j'avais dit il y a quelques vidéos qu'elle faisait un sbire. Enfin, qu'elle faisait des sbires seulement sur les trois personnes. Enfin, sur elle-même et les deux personnes qui sont à son flanc. Parce que c'est un peu ce qui est écrit, hein, invoque un sbire familier de la forêt pour tous les alliés proches. En fait, c'est pour tous les alliés tout court. Le proche n'existe pas. Donc voilà, c'est un petit erratum que quand ça arrive, il faut le noter. Donc bon, après, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui regarde toutes mes vidéos, surtout les épisodes Corona Bonus. Mais bon, on va faire nos petites attaques raid. Encore une fois, hein, je suis plutôt sous pression sur ce tournoi raid, puisque c'est le dernier tournoi avant la fin du POV. Du Path of Valor, de la Voie du Courage en français, pardon. Ouais, du coup, on va voir. On va quand même essayer de bien se placer. J'ai eu des costumes de Bane. Bon, désolé, j'ai un peu la voix cassée. Saleté de virus. Hein. Alors, on va mettre deux Bane. Je me rappelle plus ce qu'il avait. Oh là là. Est-ce qu'on partirait même pas avec trois verres là? C'est quand même sacrément couillu, hein, de mettre ça comme défense. C'est pas très très intelligent. Ouais, ça m'a l'air d'être mieux de mettre 3 verres en fait. Aïssan, Amnesseus, Menesseus. Même pas sûr, hein. Même pas sûr que je mette Menesseus. Ah, il va me falloir un soigneur aussi, pourquoi pas Bélis? Bélis peut être pas mal. Et on va mettre Melia et Bane. Là, je me permets de faire ça parce que le tank, c'est Tyrom. En fait, si ça avait vraiment été un tank qui devait pas faire sa CS, je serais quand même parti avec 3 jaunes.
Là, c'est Tyrom, donc là, c'est surtout Ulmer, donc j'ai pas envie qu'il fasse ACS. Donc c'est pour ça que ça me semble être plus intelligent de mettre 3 verts, bah, aussi parce qu'il est en triplé bleu, mais bon. Dans certaines situations, même avec un triplé bleu comme ça, j'aurais mis 3 jaunes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce puzzle? C'est un beau puzzle. Là, j'ai une possibilité de diamant. Oh, nice. On va faire ça pour se faire un. Ah. Bon, bah, du coup, il n'y aura pas de diamant, mais je crois qu'il n'y en aura pas besoin. Je crois que ça le tue, hein. Ouais. Bon, on est plutôt pas mal, hein. Est-ce que j'assure le kill? Je vais peut-être assurer le kill d'Ulmer en vrai. Parce qu'une tuile, ça suffira pas. Je vais faire ça. Parce que si Ulmer fait son pouvoir, le raid prend une toute autre dimension, on va dire. Ok. Alors, ça devrait le tuer du coup. Avec l'augmentation de dégâts, ouais. Ah, il a plus de 1000 de dégâts, hein. C'est insane le booster de bonus. C'est incroyable. Là, je vais faire ça pour embarquer une tuile verte avec moi. Voilà, comme ça le tue. Et là, on va tranquillement faire remonter les pouvoirs. Hein. Voilà. Je pouvais peut-être finir au tour d'avant, je sais pas, j'ai eu un moment d'absence. Bon, une première victoire, c'est cool. Super cool. On garde la même équipe. J'ai bien l'impression qu'on garde la même équipe, hein. Il y a un flanc que. Limite, les violets seraient un petit peu mieux, mais comme je l'ai expliqué hier, je préfère Melia en fait que n'importe qui en violet. Donc, à la limite, j'ai Bjorn qui est bientôt fini. Peut-être que je l'utiliserai demain, mais là, aujourd'hui, on est plutôt jaune. Hein. Ok, ça ressemble à un puzzle qui va devenir bien. Par exemple, si on fait ça, voilà. Alors là, j'ai un diamant rouge. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un diamant rouge? Je pense pas, hein. Je pense pas. Quoique. Ouais, non, je vais pas faire le diamant rouge. Je vais faire ça. Ça va déclencher mon diamant vert. Voilà. Alors là, on va tuer Issan parce qu'il est dans le coin là-bas. Il risquera de se déclencher. Alors là, en fait, faut jouer autour de cette tuile-là. Il y a plusieurs. Alors bon, le diamant rouge, encore une fois, on va pas le faire. Hein, ça va juste augmenter la mana ennemie. Là, plusieurs choses. Si j'emmène la tuile que j'ai sélectionnée vers la gauche, ça m'assure une combinaison jaune. Ça m'assure une combinaison jaune pour le truc d'après, pour le tour d'après. Si je l'emmène à droite, ça la met un peu en face de Tyrom, donc c'est pas totalement dégueulasse. Mais le mieux, je pense, c'est de la mettre en bas parce que non seulement ça va m'assurer une combinaison jaune qui va être de cette forme-là, et en plus de ça, ça risque de faire tomber un verre ici et du coup de faire pas mal de dégâts à Tyrom. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Donc ça n'a pas fait les dégâts à Tyrom. Mais je pense que voilà, ça, en termes d'optimisation, c'était le plus optimal. Là. Ouais, je vais jouer là, je pense. Comme ça, je peux avoir un combo vert. Voilà. Nickel. Donc là, faut que je tue Melia parce que faut pas qu'elle se déclenche.
Ok, elle va mourir avec les tuiles, donc je peux me permettre de tuer Bélis. Ou Antirome. Je vais me soigner un petit coup, juste parce que je peux me le permettre. Ok, c'est fini. Voilà, faut. Là, la petite morale là, de celui-là, de raid. Pendant tout le raid, j'avais une abondance de rouge et une possibilité de diamant rouge, mais j'avais des possibilités avec les tuiles des couleurs que j'avais. Donc, c'est souvent dans mes raids, et surtout quand je suis en mono en plus, que je fais des diamants, mais il faut bien avoir conscience de l'utilité d'un diamant en fait. Un diamant, ça permet de. Ce que moi, ce que j'appelle reset le puzzle, ça permet de rafraîchir le puzzle, de faire monter d'autres couleurs que celles qui sont déjà sur le puzzle. S'il y a déjà les bonnes couleurs sur le puzzle, vaut mieux essayer de combiner avec ces couleurs-là en déclenchant le moins possible la mana. Parce que si j'avais fait les diamants rouges et que j'avais fait exploser, je me serais sûrement pris beaucoup plus de CS que ce que j'ai pris dans le raid. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'essayer de réfléchir à ça. Ok. Ouais, lui, il est bientôt prêt. C'est vrai que j'ai mon petit Nordri aussi. Ça y est, je viens de le finir. J'ai hâte de l'utiliser. Après, le tournoi ne s'y prête pas beaucoup vu qu'il n'y a pas de rouge. Mais ça va être assez intéressant. Alors, on va mettre Tyrome. J'ai pas encore décidé si je le mettais en normal ou en costumé. Et là, allez, on va se permettre Gardien Chauve-Souris. Ouais, donc c'est bien Tyrome costumé qu'il me faut. En fait, il y a Gunnar et Ulmer qui me diminuent ma défense. Donc là, le but, ça va bien être d'utiliser le Tyrome costumé pour enlever les effets. Je mets ma grosse troupe sur lui parce que je crois qu'il a plus d'attaque. Hein. Ouais, c'est ça. Il a plus d'attaque. Ok. Je suis en train de réfléchir un petit peu à si j'ai oublié des choses ou pas. C'est vrai qu'en plus j'ai Bélis pour enlever les effets ennemis. Donc là, cette équipe est vraiment bien. C'est moins fort, je trouve, qu'avec Melia, mais c'est quand même pas mal, hein. Ok, donc là en fait il me faut du vert assez rapidement sur Ulmer. Ça c'est mon but dans la vie. Là pour l'instant j'ai du vert sur Bane. Bon ça c'est pas un très très bon début, surtout que j'ai pas beaucoup de. Le puzzle ne me donne pas beaucoup d'options là en fait. Alors on va le faire et espérer qu'il y a du violet. Non, il n'y a pas de violet. Fuck. Alors. Là, ce bleu, ça me permet de faire potentiellement remonter du bleu vert. Ça l'a pas fait. On va tourner autour de. En fait, on tape dans Ulmer parce qu'il est lent. Tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas le déclencher. C'est un peu chaud. Là, le problème, c'est que je crois que ces trois tuiles ne suffisent pas parce qu'il a des emblèmes. Il a combien? Ah, quoique, il a 387 de défense s'il meurt. Ok. Alors là. Maintenant, ça commence à être assez urgent d'avoir de la mana verte pour commencer à déclencher des CS. Donc bon. Ouais, ok. Le problème, c'est qu'il y en a deux qui déclenchent en face, quoi. Est-ce que je peux en tuer un? S'il y a un diamant qui se crée, ça la tue. Ok. Bon, en combo. Ah oh, putain, dommage. Bon, je vais prendre cher, mais je pense que je suis quand même en bonne voie pour gagner. On va se soigner un petit coup.
un petit coup de Brienne. Alors là, c'est lui qui va nous faire mal, le prochain. Melia mourra. Ok, ressuscite, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'il se déclenche pas. On va commencer à taper dans Gunnar. Le petit dot de Issan qui a fini, là, c'est vraiment bien. Ok. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Là, je pense que c'était vraiment le meilleur choix que j'avais. Parce que si j'envoyais directement les tuiles sur. C'était quoi? C'était un Bane? Je me rappelle plus. Ouais, c'était un Bane. Si j'envoyais directement. À un moment, j'avais les tuiles vertes, là où j'ai essayé de. J'avais deux tuiles d'un côté, deux tuiles de l'autre. Deux tuiles côté Melia, deux tuiles côté Bane. Et si j'envoyais en direct, ça me cassait en fait. La possibilité de diamant. Et surtout, ça ne permettait ni tuer l'un ni tuer l'autre. La seule possibilité que j'avais de les tuer, c'était en combo ou en obtenant mon diamant. Donc, j'ai pas obtenu le diamant, mais j'ai obtenu un combo. Ça les a pas vraiment tués. Melia, il lui restait pas beaucoup de points de vie. Mais par contre, ça m'a permis de charger assez de mana pour mettre Brienne et aussi de faire bouger un peu mon puzzle. Donc je pense que c'était bien la meilleure possibilité. Ok, il reste deux attaques. Oh là là, mais les gens, ils aiment bien mettre du bleu, hein. Ils aiment bien mettre du bleu. Bon, on va ressortir notre meilleur Melia pour ce petit Renfeld. Renfeld qui est pas un très bon héros, hein, je trouve. Vraiment pas un très bon héros. Ok. Donc là, la prio, c'est encore une fois de tuer Ulmer. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens comme ça qui mettent Ulmer en tank. Sur un tournoi. Si ça avait été une attaque de ruée, ok. Mais sur ce tournoi-là, ne faites pas ça, hein, vraiment. C'est dangereux, c'est sûr que c'est ultra punitif, Ulmer. Mais voilà, là par exemple, j'ai clairement pu, parce que c'est un lent, j'ai pu gagner un tour de chargement de mana. Si ça avait été un autre tank bleu, j'aurais été obligé de faire d'abord ma combinaison verte en fait. Tandis que là, je savais que je risquais rien, quoi. C'est pas ce que j'ai voulu faire là. Là, je voulais remonter la tuile verte, j'ai mis ce clic. Bon, au final, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Ok. Si, peut-être que j'ai un peu empiré mon puzzle, mais bon. C'est pas très très grave. Qu'est-ce qu'on tue? Je pense que Kharil meurt avec ces tuiles-là. Voilà. Melia. Il se déclenche même pas. Bon bah. Oh, il va se déclencher. Il va se soigner un petit peu. Accepte ta défaite. Allez, accepte-la. Oh, il l'accepte pas, hein. Il accepte pas sa défaite, comment on va faire? Voilà, c'est bon, il l'a accepté. Bon, ça se passe plutôt bien, hein. Alors, tank jaune, cette fois-ci. Super. Tank jaune et il y a deux violets, donc. Quelque part, ça a été. On a l'impression que ça a été réfléchi. Hein. Donc, on va mettre trois violets, ça c'est sûr. Et à côté, je pense que je vais garder. Ah, je vais peut-être mettre Melia. Ah oui, mais non, parce que violet, j'ai pas de soigneur. Et jaune non plus. Non, il me faut absolument mettre du vert là. Donc, en gros, on va mettre trois violets, deux verts avec Melia Brienne. Alors, les trois violets.
Non, je me rappelle pas de son équipe. Je sais plus s'il me faut Tyrum ou Tyrum costumé. Chaque fois, j'oublie de regarder. Chaque fois, j'intervertis J'intervertis les troupes, en fait, à faire ça. Je m'en fous, en fait, que Tyrum ait une bonne troupe, sachant qu'il a déjà des bonnes stats de base et qu'il n'a pas beaucoup d'attaques. Pareil, plutôt ça. Ah non, on a dit. Ouais, non, il me faut quand même. Je préfère une petite Bélisse quand même. Du coup, ouais, je pense que ce sera Tyrum costumé vu que j'ai Bélisse encore une fois. Ah, mais il n'y a aucun effet à dissiper. Il n'y a aucun effet à dissiper. Est-ce que du coup, je ne mettrais pas un Balthazar? Après, ça reste un costumé, c'est-à-dire qu'il a quand même des stats meilleures. Ce que j'aime bien avec Tyrum, c'est qu'il reste longtemps en vie et que même s'il prend des CS, oh, ou alors je mets Chauchin. Quoique, ouais, non, peut-être Tyrum. Je vais rester avec Tyrum, par contre, je vais pas prendre le costumé, je vais prendre le normal. Comme ça, j'ai deux possibilités de retirer le bonus de Sabrienne. Il y a quand même beaucoup d'emblèmes en face, hein. Est-ce que j'ai assez de dégâts? Parce que là, il va falloir les tomber, les Tyrum 20 emblèmes là. Sachant que j'ai pas des tuiles fortes contre eux. Je vais faire un truc que je fais assez rarement. Je pense que je vais mettre une Melia quand même. Ça, c'est ma meilleure troupe. Ouais. Je vais mettre une Melia. Ouais. Je pense que comme ça, c'est mieux. En fait, ça m'embête de mettre 0 jaune contre 2 violets. Après, là, la Dawa 20 emblèmes, il faut la tuer, quoi. Donc là, typiquement, ça justifie pleinement mes violets, quoi. Ok. Alors là, je serais tenté de jouer le rouge au milieu pour voir ce qui m'arrive comme tuile, si y a un violet qui monte ou pas. Ouais, on va faire ça. Pas trop, pas trop, pas trop. Calme-toi. Je vais m'assurer une combinaison violette qui, je pense, ne sera pas suffisante pour la tuer. Ouais. Aïe. Ouais, là, je vais manquer de violet. Hein. Ça, ce sera ma défaite du jour, je pense. On va quand même s'assurer une deuxième combinaison violette. Ok. Alors. On va commencer à penser à charger Bélisse. Alors là, je suis obligé de jouer au milieu. Hein. Là, j'ai l'occasion de jouer au milieu, je suis un peu obligé de le faire. Là, ils sont quasiment tous chargés. Allez, j'attends peut-être encore un tour. Bon, ok. De toute façon, ils étaient tous chargés, hein, donc ça changeait pas grand-chose. Vous avez vu l'utilité du soin en défense là? Ils étaient tous full HP. Bélisse a fait son pouvoir. Ils sont tous full HP. C'est pour ça que j'aime pas les soins en défense. Il y a beaucoup de gens encore qui me le demandent pourquoi, mais c'est vraiment pour ça. Là, si ça avait été par exemple à la place de Bélisse, je sais pas,
Même un carver m'aurait vachement plus fait chier qu'une Bélisle là en défense. Bon, on va jouer nos violets quand même, hein. Non! Alors. Qu'est-ce qu'on tape? On va essayer de tuer le côté droit là. Mon puzzle fait plus mal à Brienne qu'à Renfeld, donc je tue Renfeld et je balance mon puzzle sur Brienne. Parce qu'en fait, s'il y a du violet qui apparaît là, ça fera pas beaucoup de mal à notre ami Renfeld. On va faire un petit combo. Ça devrait pas suffire, hein. Forcément. J'ai que un vert, hein. Du coup, les tuiles vertes font pas de dégâts. On va s'assurer du violet sur Brienne et ensuite on aura toute la droite du puzzle pour charger ses pouvoirs. Il a 37 PV, hein, donc je vais être obligé de l'utiliser. Là, en fait, idéalement, il aurait fallu que je ne l'utilise pas, que je le garde pour après que Bélis fasse sa CS. Mais vu les PV qu'il a, c'est trop risqué. Voilà, là, il est mort. Donc bon, même si c'est pas optimal, mais c'est mieux que rien. Voilà, là, je crois que lui, il va commencer à piquer. Hein. Là, mon petit doigt me dit que lui, il va piquer. Ouais. Fait quand même, ça fait des bons dégâts. Là, par contre, je suis pas sûr que mes tuiles jaunes le tuent. La tuent. Et il me faut du jaune ou du violet. Bon, on va faire quelque chose. Hein. On va faire ça. Ouais, mais là, elle charge, ok. On va voir. Est-ce que ça suffit? Allez, combo. Fuck. Là, c'est un peu énervant, Bélis. Encore une fois, hein, même dans cette situation-là, si ça avait été un cogneur en face au lieu d'un soigneur, ça aurait pu me tuer mon gardien chauve-souris. Je suis en train de prendre mon temps, c'est ça qu'il est en train de me dire. Okay, ça fait 4 tuiles, donc Melia charge. Ok, est-ce que ça suffit? Oui, ok, c'est pas trop mal. Oh putain, non, ça la tue pas. Quel enfer! Attends, mais en fait, j'ai plus de violet. Ok, j'ai plus rien là. Elle est où mon équipe? Là, il me faut un gros combo, c'est pour ça que. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va tenter le combo rouge. Dans tous les cas, j'ai pas les dégâts pour la tuer. Boum. Bon, bah, dommage. Je pense que j'ai pas trop mal joué le raid, mais. Mais que, ouais, j'ai manqué de violet en fait tôt dans le raid. Et après, j'étais trop en retard pour remonter. Mais bon, ça fait une défaite pour aujourd'hui. Un petit point sur la défense. Je suis repassé en A, donc comme quoi. Ça, ouais, c'est. Je sais pas, j'ai l'impression que quoi qu'on mette en défense, ça passe, hein. Parce que lui, sa défense, elle est pas bien, hein. Sa défense, elle est. Enfin, à part le fait qu'elle soit emblémée, sa défense, c'est pas si dingue que ça. Le fait de mettre un tank jaune, c'est pas dingue. Après, c'est bien d'avoir utilisé la dualité jaune-violet.
Mais là, je vois pas pourquoi, par exemple, on met pas la Brienne ou même la Bélisse en tank, en fait, ce serait mieux quoi que Dawa. En plus, Dawa, elle a des stats défensives éclatées au sol. Non, je suis vraiment pas d'accord avec cette décision. Mais bon, c'est comme ça. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée confinée. Et puis bah à la prochaine. Ciao.